7h, 9h, Europe Matin. Bonjour Gaspard Proust. Bonjour. On est déjà en direct là ? On est en direct, effectivement. Ah, on commence là ? On commence, ça y est, c'est parti, d'accord. C'est à vous. Bonjour Gaspard, bonne semaine. Bonjour Dimitri. Alors vous savez, la dernière fois, j'ai lourdement dérapé puisque j'ai insinué que Sandrine était un prénom de caissière. Et je suis vraiment désolé, hein, toutes les Sandrines ne sont pas des caissières. On trouve aussi des esthéticiennes et des coiffeuses. Maintenant que je me suis excusé, en fait, moi, c'est pour parler vraiment des vrais sujets, ce qui m'inquiète, c'est la situation géopolitique. Ah oui, le conflit ukrainien, Taïwan, etc., c'est ça ? Non, pas du tout. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'ambiguïté allemande. L'ambiguïté allemande, c'est-à-dire ? Mais pardon, Dimitri, quand vous avez une Allemagne qui se plaint du matin au soir de ne pas avoir assez de gaz, mais on est où ? On peut pas dire que ce sont les matières premières qu'ils ont toujours utilisées que pour chauffer ces gens-là. Oh, ça y est, point Godwin. Non, mais bon. Franchement, ils bidouillent quoi les cheleux en ce moment ? Au lieu d'emmerder les Russes, on ferait peut-être mieux de regarder s'il n'y a pas une recrudescence de centres de loisirs de plein air à l'est de l'Allemagne. Je veux dire, ils sont complètement décomplexés. Ein bisschen Gas, Bitation, on dirait les mendiants de la Porte Dauphine en costume Hugo Boss. À un moment, Entschuldigung, à bord le devoir de mémoire, c'est du poulet ? Mais ça, c'est depuis qu'ils ont pour premier ministre Olaf Scholz. Bon, le gars, il a un prénom du bonhomme des neiges dans un Disney, on dirait un Hollande en Birkenstock. Alors, forcément, plus personne se méfie, quoi. Sinon, je vois que ce matin, on a invité Sonia Mabrouk. Merci d'être là. Ça me rassure. Tant mieux, il vous faut pas pour être rassuré. Non, si, je vous explique pourquoi. Parce qu'entre la franco-tunisienne, l'ukrainien, le suisso-slovène, c'est plus la matinale d'Europe 1, c'est celle de l'ONU. Hein, il manque plus que Mathieu Bock-Côté qui viendrait dire « Mais quelle matinale diversitaire hein !» Est-ce que je vous ai déjà parlé du wokisme ? Alors, non, c'est pratique que Sonia Mabrouk soit là, parce que comme ça, j'ai une caution pour imiter l'accent maghrébin. Bah, c'est un peu d'actualité, hein, parce qu'à cette heure-là, on a toujours pas de nouvelles de l'imam Ikwesi, celui-là. Hein. C'est un peu c'est le dossier chaud en ce moment. Darmanin, il se fait tous les kebabs de la frontière belge déguisés en frites géantes, je comprends. Parce que notre équidistant, là, c'est un peu notre Ben Laden version Ouigo, vous voyez, c'est le Mola Omar, carte famille nombreuse. Comme on dit à Kaboul, Ikwisen le vent, récolte la mobilette. Alors, on dit qu'il est misogyne. Bon, il a quand même fait 9 gosses. Hein. Je veux dire, c'est sûr, quand tu fais 9 gosses à la même nana, c'est que t'as quand même un peu envie de la faire chier. Hein. Je trouve qu'on en fait un peu trop par rapport à lui. Il est peut-être islamiste, mais au moins, il s'est pas enfui en jet privé. Et je suis allé voir ses vidéos. Bon, franchement, c'est pas... C'est sûr que si tu cherches un tuto sur la fabrication des drapeaux arc-en-ciel, il y a d'autres alternatives, hein, on va pas se mentir. Tu sens clairement que le gars, au niveau des valeurs, il est plutôt vintage. Ouais. Mais c'est normal, il a 9 gamins. Je veux dire, si on a 3 qui commencent à vouloir changer de sexe et 2 qui s'abonnent au monde, t'imagines le bordel à la maison, tu vois. Alors, c'est sûr qu'il dit des trucs comme « il faut que la femme reste à la maison pour faire le ménage ». C'est peut-être un peu choquant, mais putain, ce que c'est pratique. Je développerai avec plaisir d'autres idées tout aussi pertinentes, mais je trouve que c'est quand même assez classe de finir une chronique par une sensibilisation au féminisme. Parce que lanceur d'alerte, avant tout. Bonne journée à tous. Bonne journée, Gaspard Proust. Bon, venez quand vous voulez, cher ami suisso-slovène. Bien entendu. Et je suis franco-ukrainien. Ah oui, oui. Ah oui. Ah, oui. Je suis vraiment l'étranger du coin, alors c'est parfait. Exactement. À la semaine prochaine, tous les mercredis, Gaspard Proust, c'est la signature Europe 1 de la semaine.